Hop. Allez-y. Bonjour à tous. Le département du Nord vous propose une interview exclusive aujourd'hui dans le cadre de Première Page avec Joëlle Turin, qui est formatrice et critique sur l'album Jeunesse, et Léo Campagne, directrice de l'agence Quand les livres relient, que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui à la médiathèque départementale du Nord. Voilà, je vous laisse en compagnie de ces deux professionnels de l'album qui vont vous parler du jeu dans l'album. Lire, c'est jouer. Merci beaucoup Christelle. Merci Christelle. Voilà, nous aurions dû normalement nous retrouver en vrai, mais la situation est telle que ce sera donc par ce médium-ci que nous allons nous rencontrer pour la première fois. Donc moi je suis Léo Campagne à l'Avoine, je suis directrice de l'agence Quand les livres relient, association qui œuvre sur l'ensemble du territoire national à travers l'animation de son réseau, réseau composé d'acteurs engagés dans des projets de lecture partagés avec le tout petit et sa famille. L'actualité de l'agence est, comme pour toute l'actualité de toutes les associations aujourd'hui en France, un peu bousculée, mais principalement nous organisons des journées, notamment dans le cadre du dispositif Première Page, puisque nous accompagnons certains territoires Première Page dans la construction de journées d'études dans les territoires. Notre partie, notre activité est la réalisation de publications, comme notre dernier numéro Spirale, dont on parlera peut-être à un autre moment, qui s'appelle Cultivons les bébés. Aujourd'hui, donc, je suis en compagnie de Joëlle Turin, qui est donc formatrice spécialisée dans la littérature pour la jeunesse et notamment à l'attention des très jeunes enfants et des familles, et qui effectivement nous propose d'intervenir aujourd'hui autour de l'album et de l'album comme espace de jeu. Donc je te propose de démarrer, Joëlle, par un premier album. Oui, donc nous avons improvisé, ou en tout cas j'ai improvisé par rapport à ce qui avait été prévu initialement et qui aurait dû se dérouler au milieu de vous le 10 novembre. J'ai improvisé en me disant que, vu l'état des lieux et des choses aujourd'hui, il était plus important de proposer quelque chose qui fasse sourire et quelque chose qui insiste par le côté, j'ai envie de dire, qui sort des normes. Donc quelque chose qui fasse plutôt rire et jouer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à Christelle et à Léo de travailler sur des albums ou de vous présenter ou de parler à propos d'albums qui effectivement soit permettent de jouer lorsque nous les lisons avec les enfants, soit rappellent aux enfants auxquels nous les lisons, avec lesquels nous les lisons, des jeux qu'ils pratiquent dans leur réalité quotidienne ou pas, sachant que tout le monde est au courant quand même, me semble-t-il, les enfants passent plus de la moitié de leur vie à la fois dans l'imaginaire, mais aussi et surtout beaucoup dans le jeu. Donc que l'album prenne ça en compte est loin d'être neutre, et je pense que ça valait le coup en ce moment de proposer ce genre de choses. Alors on va peut-être commencer, si tu veux bien, Léo, bien sûr, avec un livre d'Olivier Douzou qui s'appelle « Loup », dont je dis vite fait en fait que c'est un album qui joue à réintroduire d'une manière nouvelle des jeux que nous connaissons tous, parents et enfants, et qui sont des jeux sur le visage de l'enfant, qui lui permet d'ailleurs de nommer et d'identifier les différentes parties de son visage. Sauf que, évidemment, Olivier Douzou, qui est aussi un rigolo, qui aime jouer, a introduit une dimension, on pourrait dire, presque dramatique, puisque nous allons non construire le visage d'un enfant, mais le visage d'un loup. Et je dirais aussi qu'il fait également référence, parce que ça me paraît très important, et que c'est aussi une manière de jouer, il fait aussi référence à la comptine, j'enfile mon loup, où es-tu, que fais-tu, etc. Donc c'est pas je mets mon nez, mais c'est je mets ma culotte, je mets mon pantalon. Donc il fait une synthèse de deux comptines qu'il transpose complètement dans un univers tout à fait nouveau, qui est celui de l'album. Donc si tu veux bien le lire, Léo, merci. Loup,
d'Olivier Douzou, et c'est aux éditions du Rouergue. Je ne sais pas si on le lira en entier, mais ben, je mets mon nez, je mets mon œil, je mets mon autre œil, je mets mes oreilles, je mets mes dents, je mets mes autres dents. Celui-là, on peut le lire en entier. Je mets ma tête. Je mets ma serviette. Et je mange ma carotte. Donc c'est un livre évidemment qui, encore une fois, je reprends, fait référence à ces deux comptines du loup qui arrive et qui s'habille, et également des jeux sur le visage de l'enfant. Alors j'insisterai sur deux choses. D'abord, par expérience, pour l'avoir lu ou avoir vu des lecteurs et des lectrices le lire avec des jeunes enfants, on sent combien le jeu d'Olivier Douzou est tout à fait compris par les tout-petits, puisque la tension monte, et elle est à son comble, évidemment, quand on est face aux deux doubles pages dans lesquelles la gueule du loup occupe l'espace des deux doubles pages, alors que ce n'est jamais le cas à un autre moment. Et ce qui est très très amusant, c'est que lorsqu'on finit le livre, les enfants rient comme on peut rire au moment des chatouillis que l'on fait lorsqu'est terminé ce jeu que nous partageons avec les enfants sur leur visage, avec des chatouillis dans le cou. Et là, c'est exactement la même détente, les mêmes rires. Donc c'est pour bien insister sur le fait que il n'y a pas qu'avec des jouets qu'on joue, on peut jouer avec l'imaginaire, on peut jouer avec le livre. Et là, ce qui est intéressant par rapport à cette idée de jeu sur le visage, le jeu sur le visage quand on a un enfant dans un berceau ou en face de nous, il est forcément en face de nous, donc c'est une relation, on peut dire, de proximité certes, mais de face à face, alors que là, ce qui est extraordinaire, c'est que l'adulte qui lit et l'enfant avec lequel nous lisons, regardent ensemble dans la même direction, ce qui est quand même quelque chose qui maintient le lien, hein, c'est très important la question du lien quand on lit avec des enfants, ça maintient le lien, mais c'est un lien d'une autre nature qui déjà, on peut dire, instaure ou fait penser à des premiers pas dans l'autonomie, hein, puisque chacun est à côté de l'autre, regardant le même objet, c'est ce qu'on appelle maintenant je ne retrouve plus le mot, c'est ce qu'on appelle le partage de le regard conjoint, voilà, pardon. Et c'est quelque chose de très très important justement dans le développement de l'enfant. Donc merci Léo pour ce livre-là. Ce qui est intéressant aussi avec ce type de livre, c'est que l'enfant regarde le livre et regarde l'adulte. Absolument. Qui regarde le livre et aussi ajuste probablement ses émotions en fonction de ce qui se passe pour l'adulte. Oui, parce qu'il ne lit pas que le visage qui est construit, qui est en train d'être construit sur le livre. L'enfant lit aussi le visage de celui qui lit. Et ça, c'est effectivement très très important. Et vous savez tous l'importance du visage chez l'enfant. Dans le visage de sa mère, l'enfant se voit. Donc ce sont vraiment des livres, et on va dire surtout des artistes qui ils ne cherchent pas à reproduire, hein, ce sont des artistes qui ont en eux j'ai envie de dire, ces restes d'enfance, et qui savent les rendre, les faire réémerger. Et nous, les lecteurs adultes qui les lisons avec les enfants, nous éprouvons le même plaisir que celui qu'éprouvent les enfants à partager le livre avec nous. Alors donc, Olivier, ça joue sur le loup, et vous avez vu, moi j'insiste beaucoup sur les deux doubles pages où vous voyez la gueule, et la gueule de plus en plus grande, et le gros que Léo a magnifiquement joué. Et il faut toujours rappeler, parce que je crois que c'est aussi une des caractéristiques de l'album, quand il est réussi, quand il est fait par des artistes,
et non pas par des commerciaux, on fait toujours référence aux mythes, aux contes, au passé, et je crois vraiment que ce sont des choses qu'il faut souligner. Hein. Les artistes ne sont pas nés de la dernière pluie, et nous sommes nourris déjà par un patrimoine oral, etc., qui est repris, revisité, fécondé, et il me semble très très important de signaler ça, parce que ça donne, je pense, une légitimité aux termes qu'on emploie à l'agence, nous les professionnels qui travaillons avec ces albums. Légitimité, ce sont vraiment des œuvres de littérature, des œuvres artistiques qui ont la même valeur en fait qu'en littérature générale, et je crois que c'est important de le souligner. Je suis bien d'accord. Alors Olivier, il travaille avec le loup, dont vous savez que la gueule, c'est quand même, la gueule, les griffes, c'est quand même, évidemment, en plus dans notre imaginaire européen collectif, c'est quand même ce qui est le plus menaçant, hein, et donc il s'autorise à le montrer deux fois. Et là, on rentre avec notre auteur, donc Ed Emberlé, qui va jouer sur ce même principe de construire un visage, en annonçant d'emblée d'ailleurs que ce visage qui va être construit va pouvoir être déconstruit, et donc on va construire page après page le visage d'un monstre. On ne va peut-être pas le lire en entier, mais au moins le principe. Voilà. Et ce qui est important là aussi, c'est que comme chez Olivier, la tourne des pages rend le lecteur, qu'il soit adulte ou enfant, celui qui tourne les pages, le rend en fait maître du jeu, hein, puisque c'est la page qui tourne qui construit le visage en question. Donc c'est « Va-t'en, grand monstre vert » de Ed Emberlé, et c'est aux éditions Kaléidoscope. Grand monstre vert a deux grands yeux jaunes. Un long nez bleu turquoise. Une grande bouche rouge avec des dents blanches et pointues. Deux petites oreilles tordues. Des cheveux violets et bouffis. C'est vraiment un monstre. Le monstre, voilà. Et ensuite, quand la tête est construite, voilà. Hop, c'est tout neuf, celui-là. Oui. Donc la tête est construite, et une grosse tête verte, effrayante. Mais, tu ne me fais pas peur. Alors, partez, cheveux violets ébouriffés. Partez, petites oreilles tordues, etc., voilà, etc., etc. Ce qui est extraordinaire pour un enfant avec lequel, pour les enfants avec lesquels nous lisons ça, c'est évidemment une activité, en plus une activité gestuelle, hein, puisqu'il s'agit de tourner les pages. Et en fait, c'est pas le narrateur qui dirige, on pourrait dire, d'une certaine manière. On a l'impression que c'est celui qui tourne les pages, qui construit. Donc, c'est un jeu extraordinaire pour un tout petit de faire apparaître et de faire disparaître. Et d'ailleurs, la dernière page, hein, va-t'en, grand monstre vert. Et ne reviens jamais. Sauf si je te le demande. Hein. Donc vous voyez, pour des tout petits, ce sentiment de toute puissance que l'on peut éprouver, certes par le jeu, bien sûr, certes par l'imaginaire, mais c'est quelque chose d'énorme. Et les expériences imaginaires, les expériences ludiques, en fait, nourrissent autant la pensée de l'enfant et la vie de l'enfant que si c'était un jeu dans la réalité. Et quand même, dans la réalité, on aurait du mal à construire un monstre. Et puis à ce crescendo quand même. Oui, à ce crescendo, à cette montée en fait, une vraie tension. Hein, on peut parler d'une véritable dramatisation. Et dont on est maître, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et c'est ça qui introduit cette dimension ludique indispensable, à mon avis, pour les tout-petits. Donc, premier jeu, les premiers jeux dont on peut trouver les références dans les albums, c'est vraiment
tout ce qui est autour de la construction du visage qu'on nomme et donc l'enfant identifie comme étant des parties de son visage à lui. Un autre des jeux qui est le très très souvent utilisé avec des tout petits, c'est le jeu de cache-cache. Hein, le jeu de cache-cache dont on sait l'importance aussi pour les enfants dans l'idée que les choses peuvent apparaître et disparaître, hein, c'est-à-dire tout le jeu autour de la présence et de l'absence et de l'importance en fait de la présence non pas par une présence réelle mais par une présence imaginaire, par une mémoire, etc. Donc beaucoup d'albums qui s'adressent comme ça à des jeunes enfants jouent sur ces questions de présence et d'absence que par le livre en fait l'enfant d'une certaine manière, comme tout à l'heure pour le visage, peut maîtriser. Donc on a un livre là dans une collection chez Didier Jeunesse qui est la collection Cligne Cligne dont on peut se féliciter qu'elle existe parce que autrefois tout le monde se souvient que et dans tous les temps et en tous les cas nous, moi quand j'étais enfant et jeune, on a toujours des livres du 16e, du 17e, du 18e, du 19e qui nous permettent de parler de classiques. En littérature pour la jeunesse et souvent dans les albums, on a quand même plutôt affaire, en particulier même dans les salons du livre, à des nouveautés. Et je trouve important que des éditeurs aujourd'hui constituent un patrimoine d'albums, de récits qui ont été publiés il y a déjà un certain nombre d'années, 50 ans, 60 ans, des fois un peu moins, mais peu importe. En tout cas, on va chercher des livres qui ont déjà fait leurs preuves, des livres qu'on a envie de faire durer, et c'est cela aussi qui constitue un vrai patrimoine. Et donc cette collection Cligne-Cligne, c'est le principe, c'est d'aller chercher des livres plus anciens et de les remettre en circulation aujourd'hui. Donc Anne Jonas, pour ceux qui ont un âge peut-être et qui ont élevé des enfants, c'était un auteur qu'on voyait beaucoup. Je me souviens d'un chemin qui allait de la ville à la campagne et de la campagne à la ville en train. Je ne me souviens plus du titre du livre et c'était absolument magnifique. Mais c'était vraiment l'époque des années, 70-80. Celui-ci est moins ancien, mais c'est un livre qu'on n'avait pas vu en France, que Didier Jeunesse est allé chercher donc, dans les salons du livre internationaux et que Michel Moreau, la directrice, s'est autorisée à sortir, qui me paraît important. Donc si tu veux bien, peut-être pas lire tout, mais je pense qu'il est important quand même, où est Maman Ours. Je vous ai dit que c'était le jeu de cache-cache, que c'était les jeux sur l'apparition et la disparition. Vous savez que combien c'est important pour un enfant. Il faut que quand maman est absente, d'une certaine manière, on sache quand même qu'elle est là, dans notre tête, qu'on s'en souvient, que d'une certaine manière, même si on ne la voit pas, elle veille sur nous. Qu'on la retrouvera le soir, qu'elle sera identique, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle dans un langage un peu plus psy, mais sans vouloir faire de la psychologie de bazar, hein, mais l'idée quand même d'une permanence. C'est-à-dire que maman, elle peut arriver le matin, elle est blonde, le soir, elle revient avec les cheveux courts et bruns, c'est quand même maman. C'est cette permanence de l'objet. La mère, c'est celle qui veille, c'est celle qui est là quand il faut qu'elle soit là, c'est celle sur laquelle on peut compter, etc. Et donc, qui est tout le temps en fait en compétition avec le besoin d'autonomie, le besoin de jeu, bon. Et là, je trouve qu'Anne Jonas, elle a introduit la dimension de cache-cache avec justement toute cette dimension de présence et d'absence si importante pour les tout-petits. Donc c'est l'histoire. Tu veux les lire un petit peu ? Je lis les premières pages. Les premières pages, oui. Où est Maman Ours ? De Anne Jonas, dans une traduction de Michel Moreau. Donc c'est chez Didier Jeunesse. Au fond d'une grotte, six yeux qui brillent et regardent dehors. J'adore ça, magnifique. Pour montrer le dehors et le dedans, je trouve ça magnifique. C'est Maman Ours et ses petits.
La journée commence. Les oursons jouent dans l'herbe. Maman ours les surveille du coin de l'œil. Un animal passe. Quelle drôle d'odeur. On le suit. Ah, maintenant c'est lui qui nous suit. Ouf, on l'a échappé belle. Mais on est où? Et où est maman ours? Voilà, et on peut arrêter là, mais je voudrais juste montrer, si tu veux bien, bien Léo, sûr. La page où... Alors, quand vous lisez ce livre-là avec deux enfants, hein, la maman, elle est cachée. Ce qui permet aux enfants de jouer, c'est de savoir quelque part qu'elle est là. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que nous lisons ce livre avec des enfants, dans les premières pages, dès le début, excuse-moi Léo, bien sûr. Dès le début, les enfants remarquent, vous voyez, ah ah, maintenant, c'est nous qui nous suit. Les ours partent en courant. Vous avez l'arbre. Et dans l'arbre, la mère est dissimulée. Vous voyez, la mère apparaît là. Quand nous lisons ce livre avec des enfants, alors qu'il se peut que beaucoup d'adultes ne le voient pas, mais elle, elle est toujours là, cachée dans l'arbre. Donc, on joue sur les fonds marrons. Hein, voilà. Et les jeunes enfants qui lisent avec nous, et je crois que ça les rassure, c'est une manière de leur dire, oui, tu peux jouer, etc., elle veille sur toi, elle est là, donc on n'interdit pas, en fait elle rentre dans leur jeu, mais elle a pour devoir, et puis surtout je pense pour besoin, de les protéger, elle les laisse jouer, et en même temps elle est là. Il y a une notion qui s'appelle la capacité d'être seule en présence de la mère, hein, et cette capacité d'être seule en présence de la mère, encore c'est une notion de psychologie, cette capacité c'est effectivement être rassurée, pouvoir se donner à corps perdu dans le jeu ou l'activité que l'on est en train de faire, tout dans une, comment dire, dans un état d'esprit et une sécurité intérieure affective énorme, parce qu'on sait que maman est là, mais sans être là pour interdire, hein, au contraire. Et ça, c'est... Moi, ce qui me fascine dans des livres comme ceux-là, qui sont quand même très simples, c'est combien, oui, combien des notions si importantes... En même temps, cette page-là, elle n'est pas si simple. Ça, c'est extraordinaire. Elle est quand même... Et le terrier... Et la dernière, avec le subjectif de la mère, absolument, ici. Qui quand même, parce que ce sont des images quand même extrêmement complexes. Où il y a bien, où il se passe. Ah oui, non, il y a un travail graphique très important. Voilà. Avec un minimum, hein, vraiment un minimalisme, ouais, sur le plan des formes, des couleurs, etc. Mais je crois que c'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup l'enfant, de savoir qu'elle est là et qu'elle c'est pas qu'elle le surveille, elle les protège. Hein, et pour un tout petit, c'est quand même essentiel. Hein. C'est comme quand il lâche la main, ou de savoir que... Bon, qu'il peut la reprendre. Ça me paraît. Ouais, absolument, absolument. Alors, comme peut-être on va prendre celui-ci. C'est pas tellement un jeu de cache-cache, mais c'est donc de Claude Ponty. C'est plutôt un jeu d'identification, on pourrait dire, mais... d'identification de personnages les uns au milieu des autres. Et pourquoi je choisis des livres comme cela pour parler du jeu? Parce que d'abord ça fait référence à quelque chose de la vie de l'enfant. Les enfants aujourd'hui, hein, beaucoup, soit sont à la crèche, soit sont en famille, ils sont rarement tout seuls. Or, nous savons que pour grandir, il faut d'abord... se poser comme petit sujet à part entière, appartenant certes à un groupe, mais petit sujet lui-même, c'est-à-dire différent des autres. Et je crois que pour les tout-petits, il est extrêmement important, que ce soit d'ailleurs après à l'école, à la crèche et à la maison,
que la mère ait intégré en fait les spécificités de chacun et qu'elle reconnaisse les caractères aussi bien les manières d'être, les caractères physiques, tout ce qui peut faire de chacun un être à part entière différent des autres. Et là, je trouve que Ponty, il joue dans ce livre qui s'appelle Sur la branche, où vous voyez une mère et des enfants, donc des oiseaux qui dorment sur leur branche. Et cette mère, elle va énumérer et nommer chacun des petits oiseaux en insistant sur leurs particularités. Alors les uns, c'est leur manière de dormir, les autres, c'est leur manière d'être, etc. Et le jeu pour les enfants, si tu veux bien, Léo, oui. Le jeu pour les enfants, qui est pour moi comme un jeu de cache-cache, mais c'est le jeu par rapport à ce qui est dit dans le texte, d'identifier l'oiseau qui apparaît dans l'image. Tu y arrives là à lire ou pas? Je pense oui. Oui. Comme tous les matins, madame brosse le vent, se réveille et vérifie que tous ses enfants sont là. Il y a Piusouf, tout contre elle, et Orson, qui dort tout seul, parce qu'il prend trop de place. Voilà, donc vous voyez, il va falloir, et donc la mère, elle sait ça, hein, et il va falloir que l'enfant lecteur fasse un lien, en fait, entre ce qui est dit dans le texte et ce qui est montré dans l'image. Donc tout contre elle, c'est assez facile. Après, qui dort tout seul. Il prend trois places. Voilà. Et tout le livre, en fait, est basé sur ce principe du jeu entre un texte qui dit une chose et une image qui montre cette chose-là à sa façon. Et franchement, pour des tout-petits, je peux vous dire que ce n'est pas la première lecture qui permet d'identifier tous les oiseaux. Il faut y revenir. Et là aussi, j'insiste beaucoup sur ça, parce que on croit que un album, parce qu'il y a peu de textes, ça se lit vite. Pas du tout. Il faut revenir, il faut chercher quelle position correspond à ce que dit le texte, etc. Et ce qui est magnifique, c'est à la fin, Léo, excuse-moi, non, c'est qu'à la fin, elle se rend compte qu'il en manque un. Donc elle les a tous comptés, tout le monde est là. Non, voilà, c'était avant. C'était voilà. Celle d'avant, c'est la voilà, page. C'était celle d'avant. Pourtant, madame Brosse-le-Vent pense qu'il lui manque un enfant. Elle se demande. Elle se demande lequel et refait encore une fois le conte dans sa tête. Et puis en fait, on le voit arriver avec le père, il était allé chercher des croissants. Voilà. Donc vous voyez, comme c'est complexe, hein, l'air de rien, un livre comme ça, cartonné, dont on nous dit très souvent, mais les cartonnés c'est pour les petits, parce que ça ne blesse pas, etc. C'est en fait un livre qui demande une élaboration de la pensée énorme, entre digérer le texte, puisque tout texte produit chez un enfant une représentation mentale, hein, ce qui est normal, c'est, j'ai dit chez un enfant, mais chez nous, et il faut qu'il applique cette représentation mentale à la représentation figurée qu'en a fait Ponty dans cette branche. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est la preuve, encore une fois, que de ces grands artistes comme est Ponty. Oui. En plus, Ponty donne des indices aussi dans le texte, dans le nom même des, des oisillons. Il faut beaucoup lire et relire cet album pour pouvoir faire tous les liens possibles que suggèrent et le texte et l'image. C'est trop drôle. Là, il y a Pierre qui roule, qui écoute tout le temps de la musique. Bien, pour écouter de la musique, on en déduit qu'il faut avoir des écouteurs. Donc, vous voyez, quand même, ça. Et là aussi, moi, je me dis tout le temps que ce sont quand même des artistes qui ont une haute opinion des petits. Parce que pour oser faire ça, autrefois, on aurait pu expliquer. Je ne dis pas les grands, hein, mais on aurait pu vouloir expliquer. Et même, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui lisent et qui ont envie de mettre le doigt dessus. Or, Ponty, il s'adresse à l'enfant et il laisse l'enfant. Et en général, c'est ce qui se passe. Tout à fait. Quand on dit que la lecture, c'est une véritable activité, ça veut dire que l'enfant est actif et qu'il lui reste beaucoup de choses à faire pour que le livre existe et par lui-même, en fait. Donc voilà un premier jeu, un nouveau jeu
qui est quand même, qui demande beaucoup d'attention et à mon avis, beaucoup de subtilité. Un autre jeu qui est très souvent joué avec les enfants, assez simple, c'est le jeu des devinettes. Alors j'ai envie de dire des devinettes et de l'imitation, parce qu'il y a un livre que j'aurais voulu avoir, mais qu'on n'a pas pris là aujourd'hui, parce que c'était compliqué, on a fait ça quand même de manière un peu, nos choix étaient un peu difficiles. On a eu du mal en tout cas à faire venir les livres ici, et moi je ne les avais pas tous scannés pour vous les présenter. Donc je vais faire avec ce livre-là ce que j'aurais fait si j'avais eu, en deux fois, si j'avais eu les deux livres. Donc un premier livre qui est l'imitation, vous savez que les enfants adorent imiter. Ils adorent imiter les manières d'être, la morphologie ou la manière de marcher d'une grenouille, la manière de sauter d'un lapin, tous ces jeux d'imitation qui sont des jeux d'imitation corporelle et qui s'expliquent parce que les enfants s'expriment d'abord par leur corps. Hein. L'enfant, avant de dire des mots et avant d'être bavard, il est bavard dans son corps, les expressions de son visage, etc. Même nous, je vois que j'arrête pas de bouger, etc. Donc, le livre dont je voulais parler, qui s'appelait, il y en avait deux, un d'Émilie Gravette qui s'appelait... Mon singe et moi. Mon singe et moi. Et puis un deuxième de Auriol, qui s'appelle Rouergue, Marine Auriol, c'est ça, qui s'appelait Cui-Cui. Voilà. Et c'était en fait des personnages. Dans Cui-Cui, vous avez un personnage qui demande aux autres de se taire. Et puis il leur propose un jeu, c'est de deviner qui il est. Et il va prendre la position, par exemple, il y a une cigogne, je crois, qui va se mettre de telle manière que sa forme va ressembler à celle d'un serpent. Enfin, il y a tout un tas de métamorphoses, si vous voulez, qui sont des métamorphoses corporelles, parce qu'on essaie d'imiter la morphologie de l'autre. Donc celui-ci, on ne l'a pas. Dans Mon singe et moi d'Émilie Gravette, c'est pareil, c'est une petite fille avec son singe qui court. Alors là aussi, l'importance du mouvement chez les tout-petits, c'est énorme. Et donc, elle court avec son singe, etc. Et elle demande à son singe de deviner quel animal elle essaie de représenter. Et pareil, selon les positions de leur corps, la tête en avant, la tête en arrière, les bras ouverts, les jambes écartées ou pas, etc. On peut voir dissimuler derrière la forme des deux personnages un animal qui se dessine derrière. Donc c'est un jeu de devinettes. Alors là, ce n'est pas d'imitation, mais ça prolonge ce que je voulais dire par rapport au jeu de devinettes. Et c'est peut-être Léo, si tu veux bien, c'est à partir en fait de. C'est un jeu entre les moyens de transport que peuvent avoir des humains ou des animaux, mais ces moyens de transport sont adaptés à leur morphologie. Et donc, c'est l'adaptation du vélo à la morphologie de l'animal qui permet de deviner de quel animal il va être question. Et je vous assure que ce n'est pas évident du tout, du tout, du tout. Donc on voit bien que une lecture, ça nécessite de prendre des éléments dans un domaine et de les transférer d'une certaine manière dans l'autre domaine. Alors là, c'est pas simplement de passer du texte au visuel, mais il faut être capable de se représenter qui peut s'allonger sur un vélo quand il est long, qui au contraire peut s'allonger sur un vélo quand il est haut, etc. C'est vraiment, oui, tu peux bien sûr. Non, je trouve ça aussi, ça c'est un livre qui était sorti chez Piquet. Moi j'ai un beau vélo, voilà. Mais à qui peut bien être ce vélo? Et donc il convient que l'enfant réfléchisse à qui a un corps si long, qui peut être ce qui nécessite d'avoir un vélo aussi allongé. Moi je trouve ça, donc voilà, au crocodile, et là,
tiens, à qui est ce vélo? Et vous voyez que devant, il y a un seau. À quoi ça peut servir, un seau? Évidemment, à un éléphant pour... Enfin, évidemment, quand on l'a vu. Donc, vous voyez combien le vélo est construit en pensant à la morphologie de l'animal et combien l'enfant qui lit, le lecteur qui lit avec nous, doit d'abord avoir des connaissances sur l'animal en question et transposer ses connaissances sur la forme même du vélo. Donc c'est pas évident hein, non plus, mais si vous voulez, ce qui est agréable et dans ces temps quand même très moroses dans lesquels nous vivons en ce moment, je trouve que proposer à des familles ou en PMI ou dans les crèches, etc., des livres comme ça qui font sourire, plutôt que de, on va pas leur, même si c'est bien d'avoir du Kant ou du Proust, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Pour les bébés. Mais, mais ça nourrit aussi. Ça nourrit. Et je trouve vraiment formidable qu'on puisse, avec des livres, induire comme ça, des atmosphères ou créer comme ça des atmosphères totalement ludiques qui correspondent vraiment à des préoccupations enfantines parce qu'ils aiment ça et ils sont toujours en train de tricoter des choses, ils aiment deviner et surtout ils aiment coller hein. Et moi je pense toujours, parce que la devinette ça va continuer toute notre vie hein. Je me souviens d'un livre qui s'appelle Forme simple, dont j'ai oublié le nom, vous me pardonnerez, mais dans lequel l'auteur qui a écrit sur ces formes simples du récit dit que la devinette, en fait, c'est l'ancêtre du roman policier et qu'on part des devinettes les plus simples en passant après aux examens, quand vous devez passer un concours ou un examen. Léo, tu disais combien c'était difficile de travailler en tant qu'étudiant, quand on était aussi en tant que professionnel à notre travail, ça, effectivement, ça nécessite tout le temps de deviner les choses. Cela dit, lire, c'est anticiper, c'est aussi deviner. C'est hein. Deviner, faux ou vrai, mais peu importe. Mais c'est aussi ça qui contribue à faire qu'on a envie de tourner les pages. C'est aussi ça qui contribue à faire qu'on a envie de lire un livre jusqu'au bout. Pour voir, on peut avoir deviné faux, peu importe. Le plaisir, c'est de jouer à la devinette en question. Ensuite... Moi, je l'adore, celui-là. Oui, ça c'est un grand classique encore. Ensuite, les jeux préférés des enfants. J'ai parlé tout à l'heure de l'imitation. L'imitation, c'est le premier pas du jeu de faire semblant. Hein. Faire semblant d'être, faire semblant d'avoir. Hein. C'est tous, autant que nous sommes aujourd'hui, grands ou moins grands, nous sommes passés par ces jeux de faire semblant. Et c'est tellement vrai que beaucoup de spécialistes ayant travaillé sur le récit, sur la littérature, etc., disent à quel point, justement, cette adhésion au jeu de faire semblant est le premier pas d'une adhésion à la fiction. Qui que nous soyons, hein, c'est l'espèce, comment elle s'appelle ? L'espèce fabulatrice. L'espèce fabulatrice de Nancy Houston, dans lequel elle montre, elle n'est pas la première, hein, elle montre que effectivement l'espèce humaine, ce qui n'est pas le cas chez les animaux, l'espèce humaine a besoin d'inventer, de se raconter, d'imaginer, parce que c'est la meilleure façon d'élargir notre monde. Hein. Si on se contentait de la petite réalité, on serait beaucoup moins riche et on n'aurait pas toutes ces œuvres à lire aujourd'hui. Donc, le jeu de faire semblant, moi je trouve là aussi fort important et bienvenu que des auteurs illustrateurs l'introduisent en fait dans les livres et nous, quand nous les lisons, en faire pareil. Alors là, j'apporterai une seule critique à ce livre, c'est que par rapport à l'original, donc américain, hein, on a changé la couverture pour y mettre la tête d'un enfant qui a effectivement la rondeur d'une pizza. Et alors que c'est pas du tout... comment ? Non, mais ça rappelle... Mais oui, et puis en plus, drapeau. Le rouge et vert, oui, du parce que c'est italien. La couleur de l'Italie, du drapeau italien. Bon, tout cela, ça n'est pas...
Ça n'est pas dans le... La version originale. Non, non. Je veux bien au moins le début parce que je trouve ça... Drôle de pizza de William Steig. Je ne sais jamais le dire. J'ai Kaléidoscope là aussi. Pierre est de mauvaise humeur. Il devrait être en train de jouer au ballon avec ses copains. Mais il pleut. La tête qui fait. Le papa de Pierre voit bien que son fils est malheureux. Il se dit que faire de Pierre une pizza lui remonterait peut-être le moral. Alors il l'allonge sur la table de la cuisine et commence à pétrir la pâte. Il l'étire d'un côté, puis de l'autre. Maintenant la pâte tourne et virevolte au bout de ses doigts. Voilà, et ça va jusqu'au bout. On va fabriquer une pizza qu'on mettra dans le four. Hein, et on va jusqu'au bout de la logique ludique qui est celle que le livre met en place dès le début. Et c'est vrai que c'est jouissif d'aller jusqu'au bout. Vous avez remarqué que c'est un livre qui a très peu de décors. Hein, il y a juste vraiment la scène qui représente la famille en train d'essayer de combler en fait le vide d'amis et de jeux que la pluie impose en fait à Pierre. Je trouve ça aussi très important que le livre le montre avec l'enfant qui est dit comme une pizza mais qui reste un enfant. Alors moi j'ai eu beaucoup de réactions de personnes qui ont dit mais faut pas faire ça, ça incite à des drames, on fait pas ça avec un enfant, bon, etc. Mais en fait, quand tout est fait pour qu'on rentre dans ce jeu, tout est fait depuis le début et on s'attend à ce que ça finisse bien, ça va de soi. Donc voilà, un premier livre, il y en a... Oui, Léo ? Je trouve que... Dans ce livre, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la place des parents. Ah ben, évidemment. C'est-à-dire qu'ils jouent pas tout seuls. Tout à fait, d'accord. Et ça, je trouve que c'est... ils jouent pas tout seuls. Et tout ça, ils jouent avec ses deux parents et avec des petits bouts de papier. Et je trouve que c'est une bonne manière de gérer l'ennui et ce que peut générer l'ennui comme inquiétude, angoisse. Et parce qu'en anglais, là, il y a une distinction entre le « playing » et le game. Hein, donc le game, c'est un jeu, on peut dire, plus social, parce que c'est un jeu qui impose des règles, ou qui pose des règles et qu'il faut respecter. Et si on ne les respecte pas, on triche. Et là, on est dans le playing. Et en fait, on est un peu dans les deux, parce qu'on va, donc faire cuire une pizza, fabriquer une pizza et la faire cuire. Mais à un moment, par exemple, elle dit je mets des bouts de je ne sais pas quoi, mais c'est un faire semblant. Elle y précise bien. Oui. Je me souviens plus parce que ça aussi, ça me paraît très important parce que c'est le playing, c'est ce que tu fais, c'est tu inventes tes règles au fur et à mesure. On est d'accord. Mais voilà, là par exemple. C'est la voilà. Très bien dit papa, pas de tomates, juste un peu de fromage, des bouts de papier en réalité. Un peu de pepperoni, mon Pierrot. Pierre ne peut pas répondre. Pierre est une pizza avec garniture. Et vous voyez, en plus du jeu de faire semblant, s'introduit un jeu entre les deux dimensions ludiques de ce qu'est le jeu. En général, en France, on n'a qu'un terme. Et c'est vrai que l'anglais, pour ça, est extrêmement important. Donc, playing, j'invente. Je n'ai pas de règles imposées. Le game, il y a des règles. Et là, il joue sur les deux aussi. Et il y a de l'humour. Et de l'humour. Oh, bah oui, mais bien sûr. Pierre est une pizza. Et Pierre ne peut pas répondre. Donc, voilà. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, mais même en vous en parlant, je ne peux pas m'empêcher de penser que des livres comme ceux-là, Léo, tu as parlé de l'agence, etc., et de Cultivons les bébés, où on insiste beaucoup sur la contribution de ces lectures partagées à la consolidation ou à la création ou à l'amélioration des liens
dans la société, sûrement, bien sûr, si on élargit, mais aussi des liens dans la famille, des liens entre les adultes et les enfants, des liens entre les enfants qui partagent la lecture dans un groupe, des liens entre les enfants et les personnages des livres. Hein, ça a l'air de rien, mais tout ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'on appartient... On appartient à une humanité, ça me paraît des choses essentielles, et on le fait passer, tout cela, l'air de rien, à travers des livres qui donnent envie de rire. Enfin, tu le dis, c'est l'humour, et l'humour est tout à fait bien compris par des tout-petits. Hein. Voilà pour Drôle de pizza. Il y a d'autres jeux de faire semblant, tu le connais, celui-là, oui. Il y a d'autres jeux de faire semblant, et celui-ci, très souvent dans mes conférences, je l'introduis, parce que c'est un livre dans lequel des enfants font semblant d'être morts, et que là aussi, je pense, Léo, c'est pareil, j'imagine toi aussi, Christelle, il y a beaucoup de résistance à parler de la mort avec des enfants à travers des livres, et ce qui est important, c'est une réalité de la vie, malheureusement, et en ce moment on y pense plus que jamais, et je crois que beaucoup de gens oublient que les enfants font semblant, ils jouent à faire semblant d'être des soldats qui tuent, ils jouent à faire semblant d'être des médecins, à faire semblant d'être morts, à faire semblant d'être malades, etc. Et pourtant, on n'aime pas lire des livres qui parlent de la mort. Alors là, avec Ole Koeneke, qui introduit justement le jeu de faire semblant, on ne peut pas se tromper. Hein. Il est bien question d'une mort, mais de quatre morts. qui sont effectivement des morts, feintes. Hein, quatre, oui, tu as raison. Voilà. Je lis, tu veux que je lise quelques pages Oui, parce que ça, quand il commence à quitter, donc il veut, il arrive Anton et il veut jouer, c'est une série Anton, hein, on va le retrouver dans beaucoup de livres avec ses trois amis, et c'est toujours lui le héros du livre, et là il arrive, il arrive avec des gâteaux, des jus d'orange, et il leur propose, il leur demande de jouer avec eux, et ils ne veulent pas qu'il joue avec eux parce qu'il n'a pas le matériel voulu pour participer au jeu. Donc, il est très mécontent et il décide, puisque c'est comme ça, je m'en vais et je suis mort. Voilà. Anton s'en va, Anton est mort. Anton s'en va, Anton s'allonge par terre, Anton est mort. Tant pis pour eux, maintenant c'est trop tard. Anton est mort, parfaitement mort. Et regardez quand même, parce que là aussi, hein, le ludique et l'humour, il est parfaitement mort, mais quand il reçoit une feuille qui l'empêche de respirer, il souffle dessus. Arrive Lucas. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu vois bien que je suis mort, dit Anton. Vraiment mort? Absolument. Super, dit Lucas. Ne bouge surtout pas, je reviens tout de suite. Je ne peux pas bouger, espèce d'idiot, puisque je suis mort. Regarde ce que j'ai apporté, dit Lucas. Avec cette pelle, je vais te creuser une belle tombe. Il faut que tu sois bien installée. Arrivent les filles. Rendez-nous cette pelle tout de suite, dit Greta. Ce n'est pas ta pelle, dit Nina, etc. Et donc, il rend la pelle et maintenant, c'est lui qui est mort, etc. Alors, ce qui est vraiment remarquable, donc, ils font semblant d'être morts. Et là aussi, ça a été beaucoup mis en avant par... Paul Harris, qui a écrit un livre sur l'imagination chez l'enfant. Hein, Paul Harris, c'est un psychologue, je crois, anglais, qui a beaucoup écrit sur ça, sur l'imaginaire, le faire semblant, le jeu, etc. Et il dit à quel point, pour contrer ce qu'on a souvent dit, et en particulier en France, au pays de Descartes, que la raison, ou de Pascal d'ailleurs, que la raison et l'imagination... D'une certaine manière, elles sont contraires, contradictoires. Or, on se rend compte, et on le voit là dans le livre, et Harris le souligne dans la manière dont il observe les enfants, et donc dans la manière dont les enfants se comportent, les enfants
dans leur jeu, retrouvent et suivent la logique qu'ils ont dans la réalité. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe quoi, c'est pas une imagination débordante sans règles, pas du tout. Là, on peut dire que la réalité nourrit d'une certaine logique la fiction et que la fiction enrichit la réalité puisqu'elle introduit la dimension ludique et inventive, etc. Et là, ça continue, il pleut, ils vont supporter la pluie parce qu'ils sont morts. Le chien aboie, on ne lui répond pas parce qu'on est mort. Si on lui dit « tu nous déranges », tout le monde est mort, etc. Et la seule chose qui va les faire sortir, c'est une fourmi sur les visages. Une fourmi, une fourmi, au secours des fourmis, vite, filons. Et là, ils vont manger les gâteaux et les jus de pomme que Canton avait apporté et que personne ne voulait au départ. Donc voilà. On voit, c'est exactement la manière dont peut se dérouler en fait un scénario de jeu entre enfants, avec les uns qui ne veulent pas les autres, etc. Les petits commandants, les petits chefs, tout ça me paraît. Et les retrouvailles autour d'un bon goûter. En général, les retrouvailles autour d'un bon goûter. Ça y est, j'ai fait un badaboum de livre. Oui, tu peux les coucher. Je vais les coucher. Ouais. Voilà. Ils sont couchés tout seuls. Ouais. Puisqu'on est dans le rire. Il ne s'agit plus d'un jeu de faire semblant, mais il s'agit du jeu dont j'ai parlé, de cette activité déjà, qui est une activité anticipatrice. C'est pas réellement la devinette, mais c'est l'anticipation, et l'anticipation qui est faite à partir en fait d'un processus narratif que les enfants repèrent très vite, parce que c'est un processus répétitif, hein. Avec à chaque répétition, il y a une modification, un tout petit changement, mais qui est basé en fait sur le même principe. Tu le connais, celui-là, Bonhomme Genre. Et Chris Houghton, donc, qui est un auteur anglais absolument adorable, il est vraiment. D'abord, c'est comme Olivier Douzeau en France, c'est un rigolo sans pareil, il a toujours envie de jouer. Et il dit qu'il écrit beaucoup, il a deux nièces qui sont jumelles. Et quand il écrit, comme beaucoup de grands artistes, hein, il écrit, on pense à Ponty avec Adèle, on pense Babar, là, comment il s'appelle, Jean de Brunhoff avec son fils qui était malade, etc. Il y a beaucoup comme ça de très très grands auteurs qui écrivent pour distraire, pour jouer, pour parler, pour s'adresser, comme Agatha, pour s'adresser à travers des livres, à travers un objet comme ça partagé à des enfants. Et donc là, c'est Georges, comme vous le voyez, c'est un chien. Mais n'empêche, c'est intéressant tout ça, ces questions de représentation. Parce que le chien de Chris Houghton, il n'a probablement rien à voir avec, rien à voir avec celui de Ole Koeneke, etc. Et ça aussi, je ne sais pas si tu es d'accord, mais oui, je le sais, Léo, ce qui est important, c'est que les enfants puissent prendre conscience, ils ne le disent pas comme je suis en train de le dire, puissent prendre conscience que derrière un mot, il y a plusieurs représentations possibles. Et que c'est aussi ce que disait Elzbieta, elle le disait, que quand on dit une table, en français on dit table, en anglais c'est table, etc., etc., mais que derrière, déjà, le mot est différent et qu'en plus, les représentations diffèrent, mais que tout le monde les reconnaît. Aussi simplifiée soit-elle, on reconnaît parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui permet de reconnaître un chien. Bon, là, clairement, c'est le regard. Oui, et les oreilles quand même, si elles étaient en... Donc, là, c'est un jeu aussi qui joue sur l'anticipation. Et j'insiste beaucoup sur la construction narrative, parce que c'est ça qui fait la qualité aussi, entre autres, d'un livre, de permettre à l'enfant, de donner à l'enfant les outils ou les ficelles pour qu'il ait envie de continuer à tourner les pages, mais qui se sentent capables de deviner ce qui va se passer. Et là, évidemment, ça fait référence aux bêtises des enfants, pour Georges. Donc on va lire quelques pages, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Et là aussi, je crois qu'on peut insister, Léo, encore une fois, entre les différentes... Et à chaque fois que je fais une intervention, j'essaie de mêler les différentes techniques d'illustration pour bien montrer que
Il n'y a pas qu'un langage, hein. Il n'y a pas qu'un langage pictural, il y en a des tas, et que ce qui est important, c'est de donner une diversité aux enfants, pas simplement des histoires, mais aussi des techniques d'illustration, parce que les uns aimeront ceci, d'autres aimeront cela, et que c'est bien cette diversité. Tout à fait. Ouais. Au nom Georges, de Chris Horton, et c'est aux éditions Thierry Magny. Harris sort faire un tour. Tu promets d'être sage, Georges ? Demande Harris. Oui, répond Georges, je serai très sage. J'espère que je serai sage, pense Georges. Georges voit quelque chose dans la cuisine. Un gâteau. J'ai dit que je serai sage, pense Georges. J'adore les gâteaux. Que va faire Georges ? Oh non, Georges ! Et ça continue. Donc, vous voyez, le processus est lancé. Hein, et à chaque fois, et que va faire Georges ? Et que va faire Georges ? Et que va faire Georges ? Et la dernière, si tu veux bien, quand Harris revient, la toute dernière page avec la, avec la poubelle. Oui, Harris revient, oui, et quand il sort revient. Et donc là, il pleure et il lui dit, j'ai promis d'être sage. J'ai promis d'être sage, pense Georges. J'ai espéré être sage, mais je n'ai pas été. Tous les enfants remarquent la larme. Que va faire Georges maintenant ? Je suis désolée, dit Georges. Pour me faire pardonner, je te donne mon jouet préféré. Merci, Georges, dit Harris. Que dirais-tu d'une petite promenade ? Super, Georges adore sortir. Il y a tant de choses à voir et à faire. Oh oh, Georges a vu un gâteau. Va-t-il le manger ? Non, Georges passe son chemin. Bravo, Georges. Oui, mais après ? Ah, on va jusqu'au bout. Georges voit un joli parterre de fleurs. Va-t-il le massacrer ? Non. Bravo, Georges. Georges n'essaie même pas de poursuivre chat. Même chat est un peu surpris. Quelque chose sent particulièrement bon. Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est une poubelle. Il n'y a rien que Georges aime plus que les poubelles. Que va faire Georges ? Georges ? Et là, vous voyez, la fin est ouverte. Donc on a lancé... Un premier où il n'y a rien de pire que la tentation, hein, on le dit, la chose la plus difficile à laquelle résister, c'est la tentation. Donc, il ne peut pas résister à la tentation, il pleure, il se morfond, il s'excuse, il propose son jouet. On relance, il tient compte de ce qu'on lui a dit, il tient compte de son vécu, il a souffert, hein, puisqu'il y a une larme. Mais on ne peut pas indéfiniment nier sa manière d'être et sa nature. Et donc, ce qui est intéressant... Mais la fin reste ouverte. On ne sait pas ce que va faire Georges. On ne sait pas. Et je pense que ça va dépendre des enfants. Ça va dépendre du lecteur, ça c'est certain. Ouais. Mais voilà, c'est un livre où on éprouve... Absolument. Et donc ça c'est joué et combien de fois on voit des enfants comme ça multiplier ils ont une imagination d'une fertilité incroyable pour multiplier les bêtises et Georges, ben évidemment, de toute façon on le sait, hein, que ce ne sont rien d'autre ces animaux que des oui non ce ne sont pas des grosses bêtises mais c'est quand même passer par-dessus les interdits. Or, il faut ajouter, et tu as raison, ce sont des petites bêtises, mais les interdits sont multipliés, et il ne faut jamais oublier que les interdits sont multipliés dans la vie des enfants. Hein, et qu'il y a beaucoup d'injonctions, fais pas ceci, ne fais pas cela, etc. Donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que Harris, il lui a dit d'être sage, et que c'est l'expérience qui fait penser à Georges, qui fait penser Georges qu'il est en train de faire une bêtise, puisqu'il lui-même il dit hein, qu'il ne faut pas le faire, il adore les gâteaux, etc. etc. Tout ça est vraiment, je trouve, d'une
d'une gaieté et tellement en lien, c'est ça qui m'intéresse le plus moi dans les livres, tellement en lien avec le vécu presque quotidien des adultes aussi. Moi je l'ai entendu lire aussi. À l'Assemblée d'adultes. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'il parle beaucoup aux adultes qui ont intégré les interdits et qui transgressent. Oui, on a besoin de transgresser. Donc je pense que c'est un livre qui parle effectivement aux... Enfin, ils peuvent être tentés de transgresser, ils ne transgressent pas. Mais je pense que la fonction des interdits, c'est d'être transgressé. Je crois que c'est... Non, mais si on n'en ajoute pas... Je n'ai pas parlé des lois, je dis des interdits. Et que, parce qu'il y en a quand même, il y en a quand même vraiment beaucoup, beaucoup pour les petits. Pour les tout-petits, franchement, c'est assez... c'est assez terrible, quoi, parce que... C'est souvent des autorités comme ça, de fait, qui ne sont pas toujours justifiées. C'est l'heure ? Non ? Alors, on a parlé d'Olivier Douzou, j'ai parlé d'Olivier Douzou, nous avons parlé d'Olivier Douzou tout à l'heure, à propos... Ben, on a déjà vu un livre de lui, mais bon, c'est un grand bonhomme, franchement, un grand artiste. Et c'est un rigolo, encore je le dis, c'est un plaisir d'être avec lui, moi je trouve. Hein. Tout à fait. Et là, c'est chaque page est humoristique. Et l'idée, c'est de savoir qui est le premier, qui est devant l'autre, à partir de quand même d'une idée qui va être reprise dans le courant du livre, qui de l'œuf ou de la poule. Hein. Donc, qui a précédé l'œuf, qui a précédé la poule. Il y a tout ce jeu, si vous voulez, qui est repris et avec lequel Olivier va jouer. En introduisant en plus, et ça c'est caractéristique de lui comme de Ponty, on l'a aperçu tout à l'heure, des jeux sur les mots, des jeux sur des expressions toutes faites, qui s'amuse à transformer, qui s'amuse à transposer, qu'il réutilise dans un contexte différent, mais qui fait écho bien entendu à ce qu'on en connaît. Et donc là, dans le premier, c'est Canard, hein, donc vous voyez, il est premier, etc. Et à chaque fois, on va contredire ce qui a été montré. Hein, donc le premier, c'est Canard. Ça démarre dès la première page. Oui. Et ça finit à la page de couverture. Enfin, ça relance la dernière de couverture. Le premier, c'est Canard. Non, non. C'est toi, la première à ce jeu. Eh bien non, quelqu'un est devant toi. Le premier, c'est Lapin. On va pas le lire jusqu'au bout, non, mais, mais peut-être une ou encore deux. Une ou deux. Non, mais une ou deux. Sur la une ou deux formules, tu sais, où il reprend, par exemple. Voilà, ben, l'œuf, on le reprend là. Et non, c'est une surprise, c'est l'œuf. Donc ce que je disais, l'œuf et la poule. Et puis il y a des jeux, voilà. Donc la suite, c'est le premier, c'est Lapin. Et non, le premier c'est une surprise, c'est œuf. Voilà. Les œufs surprises, les œufs de Pâques. N'importe quoi. Le premier, c'est poule. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il joue en faisant continuellement référence à des mythes, enfin à des. Comment on appelle ça des, oui, à des motifs. À des motifs absolument littéraires. Qui est le premier de la foule. Voilà. Et il y a quand même un jeu. Et beaucoup jeu de jeux avec les mots. Beaucoup de jeux parce qu'il démarre quand même. Ouais. Le premier, c'est Canard. C'est toi. Le premier, c'est toi. C'est toi. Et ça, les enfants, ils ne savent pas, souvent ne savent pas encore lire quand on leur lit. C'est moi, c'est toi. Ouais. Et ça, le c'est toi, par contre, je pense qu'ils l'entendent. Tout à fait. Parce que j'ai oublié de lire le c'est moi là. Donc, vous voyez, ça montre à quel point, encore une fois, l'album, quand il est réussi, quand il est fait par vraiment des artistes, il est nourri à la fois du quotidien, là, des jeux de l'enfant, on les voit jouer comme ça, et en même temps, des références qui sont des références littéraires, oui, des motifs, des mots, des expressions qui sont utilisés en ayant, parce qu'ils détournent la fonction des choses, Olivier, là, hein, parce que c'est utilisé dans un contexte, dans la vie réelle, et c'est utilisé dans un autre. Et les enfants ne font rien de mieux que ça, enfin, rien de plus que ça. Quand il y a un livre que j'aurais voulu avoir, qu'on n'a pas trouvé, de Frédéric Ster, qui s'appelle Zimbamboum,
où vous voyez des oiseaux qui utilisent en fait tous les ustensiles de cuisine pour monter un orchestre. Et alors ils arrivent les uns après les autres avec la même logique que celle dont je parlais tout à l'heure et en citant Paul Harris, qui était cette logique de la réalité. Pour construire un orchestre, on ne peut pas être seul musicien et on ne peut pas avoir qu'un instrument de musique. Donc ils vont vider la cuisine de leur mère et arriver les uns et les autres en jouant. Et on a l'impression de les entendre, d'autant plus l'impression que Frédéric Sterz a joué avec la graphie et que les notes sont colorées, elles sont dans tous les sens, dans la page, etc. Et donc ils vont jouer un morceau, c'est plus du tintamarre que de la musique réelle. Et à la fin, la mère arrive, elle leur demande de se taire, ils sont tous mécontents, et puis elle revient avec un gâteau, donc les souris reviennent, elle s'en va, et ils sont devant des étagères sur lesquelles il y a des pots de confiture, et ils disent « à quoi on va jouer maintenant ?» Et on comprend qu'on relance en fait la machine, et les enfants c'est ça. Et c'est sans cesse, ils ont toujours, toujours des idées pour partir, ils s'en lâchent jamais, hein. On en voit qu'ils s'endorment en jouant, tellement ils sont fatigués. Et je crois que c'est ça, et que nous qui lisons avec des tout-petits, nous qui lisons dans les familles, moi j'ai encore des souvenirs de lecture que je ne pratiquais pas moi, mais je suivais les professionnels dans les centres de PMI et autres, et comme Ali avec moi ici, ce qui se fait beaucoup, d'avoir des livres comme ça, en fait, qui vous emportent dans un enthousiasme où on se déride, on rit, on oublie qu'on est dans l'éducation, on oublie toutes ces notions d'apprentissage, d'avenir, on est vraiment, on partage un moment de réel plaisir, de joie, hein, avec ces livres qui savent nous les procurer. Est-ce que on est... Oui. Donc peut-être tu aurais quelque chose à ajouter, mais... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à ajouter, parce que tu as, à travers les propositions de lecture des albums, tu as dit énormément de choses. Moi, je suis toujours assez... le choix d'album, déjà, est assez tellement riche. Effectivement, on voit bien que la lecture avec un tout petit, c'est effectivement du jeu pour l'enfant et du jeu pour... du jeu pour l'adulte aussi. Et je crois que c'est quand même ça aussi dont on parle beaucoup au sein de l'agence, c'est que c'est des choses qu'on se partage ensemble, des lectures qu'on se partage ensemble et qu'on vit ensemble. En tout cas, moi, je... Nous, oui, nous, chers, hein, nous avons envie toutes les deux de dire merci. Voilà, nous avions envie de dire merci. Et notamment, merci. Merci à Christelle, merci à Christelle et à l'ensemble de l'équipe de la médiathèque départementale du Nord pour son invitation. Que nous sommes à laquelle nous avons été heureuses de répondre. Merci à tous. Au revoir.